que l'Automopo qui reçoit cet après-midi totalise 21 points et 38 points. Et donc deuxième de ce championnat avec ce premier ballon. Libérer la balle qui a finalement jeté la balle à la touche. Chérif Montiwa. Avec le ballon. Oh, maintenant, voilà la défense des Requins de l'Atlantique. Avec Jody Kael. Bien joué pour le numéro 23. Emmanuel. Le Topopo qui, après cette journée, va se déplacer dans le nord pour affronter Damissa et Takune pour le compte de la. Fazou Para qui perd ce ballon. Attention à ce ballon perdu par ce. On préfère jouer en arrière. On passe par le numéro 15. Et souffrait un peu hein, parce qu'on n'a pas la feuille de match des Requins de l'Atlantique. Donc. Peut-être. Les Requins de l'Atlantique, ils gardent toujours le contrôle du ballon et bon retour. Bon retour de la défense des Dragons de Lomé. Effectivement, c'est le Motiwa, ce joueur de Dragon qui a fait. Mathias Adewale qui arrive à récupérer ce ballon. Zaki essaie de faire le grand pont, mais il ne pourra pas. Adjaï qui va monter du cran. Joe est stoppé à la régulière. Pas sur la rencontre, ce qui est sûr. On aura à suivre 90 minutes aujourd'hui. Et c'est ça, le Requin de l'Atlantique qui a le ballon. Josué qui a relancé le jeu sur le côté gauche. Qui était très loin. Le premier assistant n'a pas bien vu ce ballon. Razaki. On parle du moment même des Requins de l'Atlantique. Cyril. Cyril qui met le pied sur le ballon. Cyril qui laisse le ballon pour le numéro 15, la personne de Yannick Jordan. Yannick Jordan, la pression sur son gardien. Le ballon qui revient pour Yannick Jordan. Judicael maintenant. Et si il n'encaisse pas ce soir, ça fera un total de 21 matchs sans encaisser le moins de but. La faute. Observez l'habit de touche avant de siffler l'hors-jeu. Je pense que l'attaquant des Dragons de l'UEME était dans l'hors-jeu. Et il le sait bien, c'est pourquoi il s'est timidement progressé. L'habit de touche qui a. Rapidement par l'équipe des Requins de l'Atlantique. Le ballon est dégagé comme on peut côté Dragon. Ah, bien joué. C'est stoppé in extremis par le numéro 15 des Requins de l'Atlantique, Yannick Jordan. Je suis hors ce coup. Que ce gardien
capte la balle avec de justesse. Je pense que c'est un gardien qui a tellement d'avenir. Je pense qu'il va continuer le travail. Et il n'a pas démérité. Hein. Il a